Oh, ça sent la partie là-haut. Yeah. Oh, oh my god! La bataille finale commence. Mince, j'arrive après la partie. Hein? Wow, qu'est-ce que... Putain. Qui c'est qui balance des bouteilles? C'est dangereux, hein? Vois, Chuck. Trop du cul, je faisais. Mais disais bien que tu te pointerais. C'est vous la source? On peut pas vraiment laisser le responsable de l'épidémie se balader en liberté. Pas vrai, Chuck. Surtout s'il s'arrête pas de mettre son nez dans les affaires des autres. C'est n'importe quoi, vous savez bien. C'est trop du cul, ma PDG, et vous l'avez aidé, hein? Ouais! Oh ouais! Putain, elle a des gros nibards! On est juste des survivants! Tu sais, nous promet à Jack! Putain, c'est vraiment des gros nibards! Oh ouais! Pose bien sexy pour les joueurs! Vous profitez bien de ceux qui regardent la vidéo! Qu'est-ce que tu connais, toi, au gros sein? Tu n'es pas un expert? Cette épidémie fait des milliers de victimes. Des gens meurent et des joueurs s'amusent. Y'a pas de quoi faire, Chuck. Putain, il dit des conneries, le mec. Je pensais que t'étais plutôt du genre à dire des blagues. Au lieu de dire des conneries. Le genre qui l'ouvre pas. Tu t'es trompé de personne. Putain, je dis n'importe quoi. Oh oh. Je vais m'occuper de la blondasse. Allez, blondasse. Oh, elle a fait une petite esquive. Oh, waouh. J'ai fait un double backflip. Tu t'appelles Cristal. Au. Toi, tu t'appelles Ambre. Oh, lève-toi, Chuck. Chuck. Oh. Oh non. Eh, ça, c'est pas fair play, putain. Wow! What the fuck? Ouais, remue tes fesses. Oh fuck, elle m'a surpris, elle m'a fait peur là. What? Elle s'est même plié une tôle. Ha! Yes! Wow! Ah! Oh non! Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je l'ai tué. Ça se voit pas? Bon, elle était bonne, mais c'est dommage. On était complémentaires. On faisait des ciseaux. Tu sortiras d'ici. On te le promet. Bon, je te le promets, elle est morte. Bon, faut pas s'énerver, vous m'avez attaqué la première, des premières. C'est pas cool pour moi aussi, hein. Je vais me faire harakiri. On sera plus volontaire. Kiri, Kiri, Kiri. Ah, oh, blague avant de mourir. C'est dommage. Elles étaient mignonnes. Sans commentaire. Bon, il reste elle. Allez, viens là. Je vais te libérer. T'as pris ton temps quand même. C'est à croire que tu t'étais pas pris un coup de pied dans les couilles. Bon, ça va, ça fait mal en plus, j'ai encore mal. Putain, j'arrive pas à croire que tu aurais fait confiance et que je m'en suis pris une. Je sais, désolé. Mais la vidéo parlait d'elle-même. Ah bon, la vidéo t'a parlé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh. Putain, bon allez, on arrête. Je les ai entendus discuter. Un autre hélico de TK arrive ce soir. Il va se remplir les poches le plus vite possible avant de mettre les voiles. Ah ouais? Elles ont parlé du point de rendez-vous? Non! Va falloir que tu gardes l'œil ouvert! C'est-à-dire, tu veux pas que tu dormes? On se retrouve sur le toit du bunker à 8h! Pile! Attention, pas plus! Ok, j'y serai. Très bien. Ouais. Ça, c'est une belle paire de fesses. Et boya! Ah, il chiale! Ouais! Oh, what the hell is this? Fuck! Fuck, fail! Barrez-vous, barrez-vous! Eh, hey, y'a quelqu'un? Eh, hey, on va signer! Bon, putain, y'a quelqu'un? Me barre sinon! Faut signer pour le colis!
Hey, je pense pas qu'il y ait qui que ce soit ici, ça sert à rien. Faut se barrer, mec. Monsieur, vous pourriez signer pour ce colis. Hein? What? Colis recommandé. Signature requise. Je vais me tourner. Terminé. Je suis là. Oh, bon, ok. Vous savez qu'il y a une épidémie de zombies quand même. Ce ne sont pas la pluie, la neige et les chiens ou les zombies qui m'empêcheront de faire ma tournée. D'accord, j'ai une voix entre un travelo brésilien, une femme et un chien. Putain, je comprends rien. C'est pas le vrai texte, hein, mec. Vous avez des grands yeux. Ah putain. Attendez, un instant. Putain, j'arrive pas à faire les voix. Vous êtes jungle. C'est vous. Excusez-moi, j'ai un fou rire. Ah, je vous cherche partout. Putain, bon, on a plus que j'y repense. J'ai un colis spécial pour vous. Un colis très très recommandé. Bonne journée. Hein? Attends une minute. Oh shit, c'est une bombe. Ah, ça y est. Oh merde. Fuck. Oh. Ah non! Ah non! Des années de service sans faute! Pas un seul retard! Tout ça gâché à cause de vous! Vous savez bien que sans discipline, sans routine, on n'est rien! Sauf avec un fusil à pompe dans le cul! Ça marche pas mal! Alors ça va le faire, la poste est sans charge! Le plus. Bon, merde, j'arrive pas à finir les doublages! Fuck! Alors, Karl! Oh fuck! Oh fuck, 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 fuck! Wow! Oh, putain! Vol plané V2. Fuck! Eh, il est trop fort pour toi le fusil! Ah! Putain, mais merde, j'en ai marre de faire l'oiseau. Ah, fuck. Quoi? Ok. Ah, t'es bitch. Oh, fuck. Oh, petite roulade. Oh, coup de fusil. Ah. Ouais. Là, tu as... Oh, je flotte dans les airs. Putain, c'est dingue. Non. Ah, encore une mort, what the fuck. Ah, je rampe comme dans l'armée. Ah. Putain, tu vas où? Arrête de faire le ver de terre. Ah, les blagues sont vraiment bidon dans cet épisode. Je te le fais pas dire. J'ai pas trop de motivation. J'en ai besoin pour ma fille. D'accord. Attends, attends. Il faut signer. Ok. C'est bon? Je peux repartir? Ah ouais. Ah. Colis spécial. En express. Express. Expresso. Ah. Faut que tu m'aides, j'ai besoin qu'on me protège. Oh, Janus, t'as pas trop mal à l'anus? Oh, c'est trop la folie, mec. Tu fais des blagues, c'est vraiment de la merde. Et voilà. Yep. Daddy, papa, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être bourré. Hein? Katie, Katie. Oh non. Katie. Katie. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère était comme ça avant qu'elle transforme. Ça va, elle va pas, elle se transformera pas. Comment tu sais? Allez. C'est déjà arrivé à ma sœur. C'est cette de médoc. Ta sœur. Elle prenait du Zombrex, elle aussi. Prenez. Et qu'elle est morte. Bah, elle supportait plus. Sa vie tournait autour de cette saleté. Un jour, elle s'est laissée aller.
Ah bon? Je suis désolé. Mais c'est pas grave. On parle d'un remède dans un futur proche. Isabella Key, c'était la femme du premier Dead Rising. C'était pas une des terroristes de Willamette. Non, c'était son frère terroriste. Il était en colère, il voulait se venger du gouvernement qui avait déclenché tout ça. Isabella essayait d'aider. Frank West, le héros du premier. Ok. J'espère qu'elle continue de chercher. Allez, Janus, bouge ton anus. T'as dit bouge ton anus? Non, j'ai dit bouge ton anus. Ça veut dire quoi exactement? Mais j'en sais rien, moi j'attends des trucs. Alors, c'est très joli ici. C'est vraiment beau. Ah! Oh la vache. Allez, quoi, mec, c'est pas drôle s'il court pas. C'est trop facile sinon. Eh ouais, on t'entend, les patrouilles à la frontière. Mais on a une chance d'être des vrais patriotes, Earl. Et de s'entraîner au tir. Ces survivants. Rien que des pleurnichards qu'on a laissé faire. Ils ont laissé entre les zombies, les étrangers, les socialistes, et les nazis. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Tu dis de la merde. Le seul moyen, c'est d'éliminer tous ces libéraux, ces hippies, et ces ronds de cuir et tous ces conservateurs modérés. C'est une opportunité en or. Mais t'as bien raison, mec. L'épidémie, elle est pas que des zombies. Si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Faut être américain pour comprendre. On va nettoyer ce pays ville après ville. Ouais, c'est ça l'Amérique. C'est ce qu'il faut faire, Earl. C'est notre devoir d'Américain d'éliminer cette menace. Nettoyer cet endroit de fond en comble. Va te recommencer, comme un pote déluge. Le déluge? Ouais. Ouais, bien dit. On fait ça pour l'amour de notre pays. Aussi parce qu'on s'éclate un peu, on fait les poules, ouais. Qu'est-ce que tu racontes, connard? Ben ouais, ça fait du bien de s'éclater. Wouhou! Ouais! On va faire la chasse aux poules, les mecs! La musique me fait penser un peu à Daryl dans The Walking Dead. Wow! Oh, j'ai vu le recul! Laisse tomber. On va lui faire une surprise. Salut, mec! Je suis un combattant du Octo. Attends. Oh putain, la vache, il a failli me tuer. Encore un coup et là je suis mort. Bon. Il est con, pourquoi il a poussé sur moi? Oh, il y a Derry. Inspecteur Derrick. Oh. Hop là. Il va apprendre à viser. Oh. Putain, on s'est tué tous les deux. Qui va être la victime? Et un de moins. La rage a pris le dessus. Attends! Erreur fatale. Fuck! Toi, tu pars, mec. Contrôle mon poing. Dans ton cul. Oh! Attendez. Oh, what the fuck? Eh oui, le poing dans le cul touche un point vital qui te fait vibrer. Tu ne t'arrêteras jamais. Yeah. Oh, matin un peu. Waouh, il y a du sang dessus en plus. Je crois que c'est ton sang, mec. J'adore, je vais le garder en souvenir.